Deux stars hollywoodiennes partent à la conquête du football anglais en reprenant un club, Wrexham AFC. Ce n'est pas le genre de série qui aurait dû m'intéresser, mais elle est simplement bien faite. Les deux stars sont bien évidemment Ryan Reynolds et Rob McElhenney. La série tourne autour du projet Foot Europe, vouloir acheter un club de foot. Il ramène Ryan Reynolds ayant besoin d'argent hollywoodien, d'ailleurs il le dit vraiment, et tous deux obtiennent le club en début 2021 pour 5 millions de livres. Aussitôt, ils amènent des conseillers, des joueurs et un coach de grande qualité. Vous l'aurez compris, c'est une série documentaire dont la première saison tourne autour de l'achat et de la première saison entière du club sous leur possession. Ce documentaire est, je trouve, extrêmement bien fait. Si vous êtes intéressé par la gestion d'un club de football, ou pour le football en général, cette série est faite pour vous. On y voit les coulisses, avec des discours de coach, des joueurs qui se présentent, montrent leur quotidien. Et même si les deux stars sont présentes dans tous les épisodes, ce ne sont pas les deux seules « stars » entre guillemets de la série. Non, on a une présence importante des gens autour du club. Des fans, le pub du club, celui qui vend des sandwichs. En bref, le documentaire montre aussi comment le club compte pour la communauté de la ville de Wrexham. L'aspect humain est tout aussi important que l'aspect sportif dans le documentaire. Et on parle aussi de plein d'initiatives que le club lance, comme par exemple pour les personnes en situation de handicap. En somme, c'est une histoire qui montre tous les bons côtés de supporter un club. La joie d'une victoire, l'euphorie de boire une bière avec des potes dans un pub, mais aussi des déceptions avec l'échec d'une montée, les difficultés financières d'une ville.